Mon patron ne serait pas content du tout s'il voyait le titre de cette vidéo. Mais en même temps, lui comme moi, on le sait et on le voit tous les jours. Les gens s'habillent avec des vêtements de moins en moins formels, avec des vêtements de moins en moins tailleurs. Le costume, la cravate, la chemise, le long manteau, etc. En fait, au fil des années, l'exigence de formalisme a baissé, et notamment dans le domaine du travail. Par exemple, il y a 25 ans, les avocats se devaient d'être en costume-cravate, alors que maintenant, ils peuvent se permettre de retirer la cravate. Pour les cadres des grands groupes qui sont habitués à être en costume et chemise, ils peuvent laisser leur veste au placard et juste garder la chemise. Pareil pour le combo pantalon à pinces-chemise qui fait maintenant place au combo chino-polo plus décontracté. Et ça, je le vois même directement à mon travail. Ça m'arrive très régulièrement, pendant les rendez-vous clients, quand on arrive à la prise de mesure, que les gens me disent « Pour le coup de la chemise, c'est pas grave si je suis serré, de toute façon, je ne ferme jamais le col, je ne mets pas de cravate. » Ce à quoi je leur réponds quand même « Oui, mais bon, tant qu'à faire, réglons l'encolure à votre taille, on sait jamais si vous fermez le col. » Autrefois, les vêtements tailleurs, c'était la norme quand on allait travailler et c'est ce qui habillait même le quotidien. Maintenant, on ne les porte plus que pour des cérémonies ou des occasions spéciales. On en porte donc logiquement beaucoup moins. D'ailleurs, je ne saurais pas dire exactement pourquoi il est de moins en moins important d'être très habillé dans un contexte formel, professionnel. J'imagine que ça peut mettre de la distance, ça peut hiérarchiser un peu trop ou que ça peut rendre moins cool. Je suppose. S'il y en a qui pensent savoir pourquoi et qui peuvent l'expliquer, n'hésitez pas à le partager en commentaire. À titre personnel, je porte pas trop d'intérêt au pourquoi, je me dis que c'est comme ça et qu'il faut s'adapter. Quand on regarde les marques de vêtements, elles en ont bien pris conscience et elles s'adaptent en proposant une gamme casual ou smart casual de plus en plus large. On peut le voir avec de plus en plus de t-shirts, de pulls simples, de jeans, de baskets, etc. Et beaucoup moins de pantalons à pinces, de chemises formelles, de souliers en cuir, etc. Personnellement, je m'adapte aussi en portant des tenues plus décontractées. J'avoue que ça m'arrange bien parce que c'est des vêtements plus confortables en général. C'est d'ailleurs une autre raison expliquant pourquoi les vêtements casual gagnent du terrain d'ailleurs. Alors, est-ce que je trouve que c'est une mauvaise chose d'être habillé de plus en plus décontracté? Non. Et en fait, je suis même plutôt neutre. Je trouve que c'est ni bon ni mauvais. Pour moi, la chemise et le costume ne vont pas disparaître de sitôt. Il y en aura sûrement beaucoup moins, c'est sûr, mais je pense qu'ils continueront d'être portés. Ils seront juste portés différemment, plus décontractés. Même si le besoin de formalisme disparaissait totalement, on continuerait de porter les vêtements tailleurs pour une raison simple, par souci du beau. Et oui, les vêtements les plus flatteurs pour le corps sont souvent les vêtements tailleurs, les vêtements formels. Par exemple, un monsieur âgé aura plus d'allure dans un style tailleur avec un beau costume et une chemise bien coupée, qui du coup étofferont ses épaules, marqueront sa taille tout en cachant un peu l'embonpoint. Chose qui serait impossible à faire en portant un débardeur et un hoodie ou tomber un peu mou par exemple. Autre exemple, c'est pas pour rien que tous les mariés portent un costume le jour de leur mariage. Quand bien même ils auraient un style tout autre en dehors, ils savent que c'est dans le costume qu'ils font la meilleure impression. Essayez de demander à la mariée quelle tenue elle souhaiterait pour que son mari soit le plus beau, elle vous répondra sûrement par des vêtements tailleurs. Donc je pense que le vêtement habillé a encore toute sa place, même s'il sera de moins en moins porté, c'est sûr. En acheter tiendra moins de l'obligation, mais plus du plaisir et de la recherche du beau. D'ailleurs, dans une précédente vidéo YouTube, le tailleur Julien Scavini que j'ai interviewé dit qu'il y aura peut-être un âge d'or à venir pour le costume. En fait, il dit que la plupart des marques de costumes mourront vu qu'on n'en portera plus beaucoup, mais que du coup, il ne restera que les plus belles marques, celles qui sont entretenues par la niche de passionnés en recherche de vêtements tailleurs de qualité. Tout ça, ça veut dire que les chemises et les costumes qu'on verrait dans la rue seront donc rares mais exclusivement beaux. Enfin, j'espère. Et personnellement, ça me va bien de l'imaginer comme ça. Voilà donc le sujet dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Sachez que c'est un des nombreux sujets que j'aborde dans ma newsletter, mais que j'ai décidé de retranscrire exceptionnellement pour la vidéo. Donc si le sujet vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, je parle de beaucoup d'autres choses aussi autour du vêtement. Le lien est en commentaire et dans la description. Voilà, abonnez-vous également à la chaîne, c'est gagnant pour vous comme pour moi. Ciao! Je regarde moi pas mal sur Lina, tu regardes des documentaires des années 2000-2003, moi quand j'étais ado au lycée. Le costume était quand même encore, tu regardes des vidéos dans la rue, tu voyais des costumes, tu voyais dans les reportages, tu voyais des costumes. C'est quand même beaucoup plus rare de nos jours. Hein. Donc, et encore, on est à Paris, donc il y en a un peu plus qu'ailleurs. Mais moi, mes confrères qui font du costume, en deux mesures qui sont installés en province, ils sont sur un rythme de 80-20, c'est-à-dire 80% costumes de mariage et de cérémonie, et seulement 10 à 20% de costumes de business. Donc c'est bien une lecture du sujet. C'est-à-dire le costume disparaît du champ du quotidien et du business. Donc il y a un fait, les gens s'habillent moins en costume. Où ça a sa place, j'en sais rien. Alors pour beaucoup de connaisseurs, on va vivre une sorte d'âge d'or dans les 20 prochaines années, c'est-à-dire que les gens comme moi qui font du costume, comme on est sur une niche, on va bien marcher dans les 20 prochaines années. Comme les marchands de cravates,
dans les années, quand la cravate a commencé à être abandonnée dans les années 90, on a quand même connu des très belles années. Parce qu'en fait, ceux qui voulaient des cravates, ils continuaient d'alimenter les belles boutiques. Charvet vivait très bien, voilà. Et donc, il y a eu un âge d'or de la cravate, parce qu'en fait, les connaisseurs en voulaient toujours. Donc, tous ceux qui faisaient de la merde sont morts, donc il est resté que les très beaux. Et le costume, on va vivre ça pour les 20 prochaines années, en mesure en tout cas. Voilà. Mais bon, après, je peux pas te dire, hein. C'est quand même très en disparition un petit peu quand même.